Bien sûr. Réservoir vide. Mais oui, ça m'aurait étonné. Et voilà. Et voilà. Voilà. Foutu. Et voilà. Lumière verte, c'est bien ça, les lumières. Merde, ça va ramener tous les moutons à la ronde. Verrouillé.
injecteur. Le Néros gardait tout le bon matos. Oh. Bon, ça devrait le faire. En paix, suffit de demander désormais. T'as volé le bras de mon pote? Tu vas le payer cher en vol. Tiens, allez, viens, espèce d'enfuir, allez! À terre! Il doit renoncer. La marque de son action, ça a perdu quelqu'un. Je veux savoir qui je suis en train de buter. Je recharge. Retourne et rends-moi du chien, pas de quatre trous. En paix, suffit de demander. Oui. Tucker, bonsoir. Il n'a plus à t'inquiéter de ce camp de Reaper. J'ai fait le ménage. Il n'y en a pas un qui s'en détient. Sacré dent contre le Reaper. D'après Alka, il y a des rumeurs qui prouvent comme quoi les Reapers n'ont pas les mêmes. Disons juste qu'ils vont chercher la mort à la maison. Thank you.
peur. Pas vraiment. Tu sais, Dicon, j'ai pas lâché l'affaire pour le réservoir. Celui dont tu m'as parlé, Manny, t'as besoin de quoi? Bah alors, pas assez de crédit? Dick, j'ai un boulot qui pourrait t'intéresser. N'en sois pas si sûr, Cope. Je suis occupé, là. Trop occupé pour un camp de Reapers? Ici, dans notre voisinage? Des Reapers dans le coin? Où ça? Je me disais bien que tu serais intéressé. Paraît qu'ils vous ont causé des emmerdes à Boozer et toi. D'ailleurs, ça fait un bail que je l'ai pas vu, Boozer. Dis-moi où, Cope? Vers Separation Meadow. Flak les a vus. Tu la connais, non? Elle est passée devant leur camp pendant une mission de ravitaillement. T'inquiète. Je vais leur régler leur compte. Salut. Quoi de neuf? T'as besoin d'un truc, mon pote? Manny, je suis toujours pas content. Je vais m'occuper de te la retaper. Repasse me voir quand tu veux. Deacon. Je vais t'ouvrir. Separation Meadow. Cope dit qu'il y a un camp de Reapers là-haut. Des Reapers? Aussi haut que ça? Ouais, Boozer. Qu'est-ce qui se passe avec ces mecs? Alkaï m'a dit que les Reapers nous chercheraient, que nos têtes étaient mises après. T'es sérieux? Comment c'est possible? D'accord, j'ai buté pas mal de ces enfoirés, mais je suis toujours resté dans les clous. Du moins, autant que je me rappelle.